va, mon garçon, viens. La bienvenue pour ce second tournoi de la journée. Je vous présente l'association Chevalerie Initiatique. Quatre jouteurs en armure 15e siècle qui vont d'abord effectuer quatre jeux préparatoires avant de s'affronter au face-à-face à lance brisée. Alors, toutes les armures sont des armures historiques du 15e siècle qui sont fabriqués en interne par l'association. Ce sont des reproductions d'armures qu'on peut voir au musée des Invalides à Paris. C'est l'équipe de France, Meryl Delatouque. Le suit Arnaud de Saint-Esprit, non, l'équipe de Belgique, avec Alexandre de Lamballe. Le suit Benjamin le Maréchal. Meryl Delatouque, muni d'un javelot, va devoir venir piquer le chou qui est à terre. Alors, on n'a pas été méchant, hein, on n'a pas mis un chou de Bruxelles. Toujours muni d'un javelot, il va devoir emporter l'anneau qui se trouve en haut de la potence et piquer la pomme. L'anneau est emporté, la pomme est piquée. Arnaud de Saint-Esprit s'élance à son tour sur le jeu préparatoire. L'anneau est emporté, la pomme est piquée, bravo! Alexandre de Lamballe, l'anneau, la pomme. Sur le chou, oui, il est piqué, le jeu est complet, bravo. Avec cette épée, ils vont devoir venir couper la carotte qui est sur la potence. 10 points d'écart entre les deux équipes, rien n'est gagné. La carotte est coupée. Vous imaginez la tête des ennemis à la place de ces pommes. Une et deux, le jeu est complet, bravo. Arnaud de Saint-Esprit. La carotte est tranchée, on la conserve. Une et deux, oui. Elle est coupée, on la conserve. Et je peux dire que c'est l'équipe de France qui a la plus courte. Carotte. Nos chevaliers vont devoir viser le quart supérieur droit que l'on appelle la tour. Meryl Delatouque. La tour, oui. Le home doit être poussé avec le bout de la lance, oui. Oui, la tour. Sur le home. Oui. Il est tombé, il est donc validé. C'est au tour d'Alexandre de Lamballe. Sur le la quintaine. Oui, la tour, bravo.
Benjamin Le Maréchal sur le jeu du home. Oui, il est validé. Une fois la visière fermée, nos chevaliers n'ont plus qu'une petite bande d'un centimètre et demi comme champ de vision, ce qui va augmenter la difficulté. Méril de la Touque sur les aiguillettes. Une extérieure, deux extérieures, oui! Une extérieure et deux extérieures, oui! Ce jeu de la bourse n'a pas de réalité historique, hein, c'est l'association qui l'a créé pour les spectacles. Elle est emportée et déposée, oui, bravo! Il ferme son home, sa visière est baissée, on lui remet la lance-pointe. Le jeu des aiguillettes. Une intérieure et une extérieure. Oui, bravo. Premier duel, Méril de la Touque, Alexandre. Laissez aller. J'ai une touche pour Méril de la Touque. Benjamin, Arnaud de Saint-Esprit, laissez aller. J'ai une double touche. Les deux chevaliers ont brisé la lance dans la targe de l'adversaire. Et criez avec moi, laissez aller. Double touche encore. Oui, les deux chevaliers ont marqué leur point.